Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Moi, pour ma part, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau vide-grenier live. Donc aujourd'hui, on a au moins deux vide-greniers à faire. Et peut-être même un troisième si jamais on est encore chaud. Donc les deux vide-greniers qu'on va faire sur aujourd'hui, ce sera celui de Mark Olsen, qui se trouve pas très mal chez moi, et Turkheim. Donc voilà, donc encore une fois, on espère trouver bien sûr des choses sympas comme il y a 2 semaines. Les choses vraiment plutôt sympas, j'espère. Et puis sinon, voilà. Et comme dit, on verra peut-être pour un troisième qui se trouvera en deuxième un peu plus loin, mais ça, on verra bien au fur et à mesure si on est chaud après les deux premiers vide-greniers. Donc on verra bien. Enfin bon, j'espère que ce vide-grenier live vous plaira. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre déjà votre plus beau pouce bleu. Et puis sinon, je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour les images. Il avait toutes les années. Hein. Le Marilyn, c'est 2017. Non, 2016. Hein? 2016. 2016. Oui, l'année. Le calendrier, c'est 2017. Mais tu vois, ça faisait peur. Et les parents, ils sont très décédés. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont mis un choc. Parce que le gars, il a... T'as eu un choc quand t'as vu une station? Ah oui, je m'attendais pas. Mais bon, c'était le gars qui m'a... C'est l'ensemble, c'est le carton. Bonjour. Bonjour. Pas forcément d'accord avec les évolutions. Moi, je suis que très peu de très loin, mais je pense que les 3 années, depuis que je suis partie en fait, avec le Covid qui s'en est mêlé. Je te jure. Des accordéons, j'en ai une
Ça se fixe ou Donc voilà les amis, donc je suis de retour chez moi, donc j'ai fait deux vides greniers, donc j'ai pu voir à travers les images, j'ai fait quelques petites images au vide grenier de Mark Holzheim et de Turkheim. Franchement, pour vous dire, il n'y avait pas beaucoup de stands de jeux vidéo, il y avait Sea of 2, un ou deux stands de revendeurs, mais vous avez pu voir les prix, les prix ils étaient franchement très très abusés. Hein. Par contre, comme dit, j'ai pas trouvé grand chose, il n'y a pas beaucoup d'images par rapport aux autres vides greniers que j'ai fait. Mais j'ai quand même trouvé des petits trucs, à commencer par le tout premier vide-grenier que j'ai fait à Marcosa, j'ai trouvé quand même un jeu 360, c'était le Mortal Kombat versus DC Universe, j'ai eu pour 3€, il était complet, et le CD était plutôt en bon état. Bon, comme dit, hein, c'est pas forcément le meilleur jeu qu'ils ont sorti en combat, mais alors comme dit, 3€ ça mange pas de pain comme on dit, hein. Donc voilà, je suis quand même plutôt content de l'avoir pris pour ce prix là, donc ça fait quand même plaisir. Et le deuxième objet, ce n'est pas un jeu que j'ai pris, mais plutôt un accessoire, et ça peut être sympa pour les prochaines vidéos, mais bon, ça à voir comment j'aurai utilisé, si c'est adapté pour le téléphone, mais j'ai un doute, il faut que j'essaie de voir sur le PC, mais j'ai un doute, je verrai bien. Et sinon je verrai peut-être pour un autre micro compatible pour le téléphone, parce qu'en fait oui, j'ai trouvé un micro, hein. Un micro TC777 USB condensateur microphone. Voilà, j'ai trouvé ça. De base, le vendeur le vendait à 30€. J'ai essayé de négocier à 20, il a dit 25. Donc voilà, je l'ai pris pour 25€. Il était plutôt en bon état. Et bien encore, c'était plutôt vrai, très bien rangé, très bon état. Donc voilà, donc je vais voir pour le tester. Hein. Et puis comme dit, on verra si ça fonctionne bien, et puis si comme dit, c'est adapté pour le téléphone, parce que comme moi je fais vidéo sur le téléphone à l'heure actuelle, et puis si jamais j'ai un peu de mal à utiliser sur le téléphone ce micro, au pire des cas je le garderai quand même pour plus tard pour un gros PC, hein, dès que j'aurai un gros PC adapté pour. Mais je vais quand même essayer, et puis sinon je prendrai un autre micro plus tard, qui sera compatible pour le téléphone. Enfin bon voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé pour ce vide-grenier. Donc oui, j'ai pas trouvé grand chose, mais j'ai quand même trouvé deux petites choses sympathiques. Donc voilà. Donc au final, j'espère quand même que ce vide-grenier live vous aura plu malgré tout. J'espère que les images que je vous ai filmées, ça vous aura plu. Alors n'hésitez pas à me faire dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de mes achats, du vide-grenier en général. Et puis sinon, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu, ça ferait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, je vous remercie encore une fois. On est atteint les 712 abonnés. Ça fait super plaisir. Vous arrivez de plus en plus nouveau dans la chaîne. Donc, continuez comme ça. Bientôt, peut-être avoir les 1000 abonnés. On verra. Enfin, bon, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura encore plu. Et puis, sinon, moi, je vais vous laisser là-dessus. Puis, on se dit à la prochaine pour le futur vidéo. Allez, ciao, bye bye. Et à la prochaine.